Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés, frères et sœurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et vous comble de sa grâce et de ses bénédictions. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il vient encore de nous accorder. Oui, nous n'avons pas mérité, seulement c'est par sa grâce qu'il nous a encore procuré la bonne santé, les souffles de vie. Et le temps même que Dieu a rendu disponible pour que nous puissions encore nous entretenir des choses d'en haut de la parole de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier avant de débuter notre enseignement du jour. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons encore te louer, te lever, te glorifier, te rendre des actions de grâce. Sois loué, sois élevé, Papa, pour ton amour et ta bonté dans notre vie. Éternel Dieu de gloire, Papa, tes bienfaits sont incontables, inégalables. Nous venons seulement te rendre des actions de grâce. Merci pour ce temps encore que tu viens de rendre disponible pour nous. Nous venons nous soumettre sous ton autorité, l'autorité du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que toi seul, Père, tu parles dans ma bouche. Que toi seul, tu touches aussi les cœurs de ton peuple, ceux qui ont disposé de leur temps pour écouter, Papa, ces messages. Je viens déloger de ces liens. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je les chasse et les jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toi seul tu sois notre Alpha et Oméga, que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous fasse du bien. Nous allons commencer aujourd'hui un autre thème, comme je l'ai signalé l'autre fois. Nous parlerons de l'idolâtrie. C'est un thème qui nous connaissons bien, nous les récitons souvent d'habitude, mais nous ne prêtons pas attention à ce que nous faisons. Parce que de temps en temps, nous tombons dans ces péchés de l'idolâtrie sans les savoir. C'est pourquoi nous allons essayer de partager sur l'idolâtrie. C'est un thème qui est vaste, qui est immense, qui peut nous prendre aussi beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, je ferai de mon mieux pour essayer un peu de condenser ce sujet, afin que nous puissions voir des grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, je crois que vous serez bénis et que chacun de nous tirera aussi une leçon, ou chacun de nous recevra aussi sa part. Et cela nous aidera dans notre vie chrétienne, dans notre vie de chaque jour, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens. Oui, il y a aussi ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais qui craignent Dieu d'une autre façon, mais qui tombent souvent aussi dans l'idolâtrie, soit par ignorance, et les autres le font avec conscience. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'est l'idolâtrie. Parce que souvent, on nous parle toujours de l'idolâtrie. Mais d'abord, nous devons comprendre que le concept d'idolâtrie est profond et complexe, divers et problématique aussi. C'est un concept qui est profond et qui amène aussi beaucoup de complicité et puis de diverses problématiques. Toute analyse du sujet doit d'abord prendre en compte les liens étroits qui existent entre l'idolâtrie d'une part
et l'immoralité sexuelle d'autre part, et la convoitise. Parce que si nous voulons bien analyser ce thème, si nous voulons bien parler de ce thème, nous ne devons pas seulement aller directement dans le but commencer à parler de l'idolâtrie, mais nous devons d'abord comprendre aussi, différencier d'une part l'idolâtrie et d'autre part l'immoralité sexuelle ou la convoitise. Parce que ce sont des choses pareilles qui nous amènent toujours dans l'idolâtrie sans le savoir. Et puis, nous tenterons maintenant à répondre à des questions fondamentales comme qu'est-ce que l'idolâtrie et qu'est-ce qui constitue un dieu. Parce que quand on parle de l'idolâtrie, souvent, nous parlons des choses que nous mettons à la place de Dieu ou d'une personne quelconque que vous remplacez à la place de Dieu. Mais avant d'entrer en profondeur, il nous sera aussi important de parler de ce sujet. Je m'excuse pour ma voix. J'ai un peu attrapé la grippe, mais cela ne peut pas nous empêcher de parler des choses de l'Éternel. Donc, mais esengeli ke toyeba tomeka koyeba ete nini nde eza idolatrie et puis eloko nini oye tindaka ke tokoma kugumbamela yango. Parce que l'idolâtrie, à vrai dire, oui, si je sais un peu d'expliquer pour notre communauté aussi, lingalophone, on parle de l'idolâtrie, l'ère au komi kogumba melabilo komususu, ou ezali nzambete. Biloko komususu, ou pesi yango bisika na nzambe. Biloko oyo, ou bien mutu oyo, yo okomo mona neti yende asimbi bobo inayo. To eloko yo monike eloko yonde esimbi bomo inanga. Donc eloko wana ezu esika yankolo. Lege eloko wana ezu esika yankolo bongo, yo okomi siko yamonde tango bakoma, toko makolo bake, oza idolatre. Mais esengeli ke, avant d'entrer en profondeur, que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'idolatrie et qu'est-ce qui constitue réellement un dieu, qu'est-ce qui constitue un dieu? Tout dit des gens qu'on remplacer, on a beau m'ennuyer et comment est remplaçant Nzambe. Dans la parole de Dieu, et bonge toi et baite. Dans la parole de Dieu, aucune accusation n'est plus sérieuse que celle de l'idolâtrie. L'idolâtrie appelle le châtiment le plus sévère de Dieu et suscite même la polémique la plus méprisante qui provoque le désir le plus extrême des rétorsions. Oui, l'idolâtrie dans la Bible, l'idolâtrie appelle le châtiment de l'Éternel. Dieu châtie son peuple très plus sévèrement, comme on le dit, à cause de l'idolâtrie. Kolo alimbi sakabiso, kolo azakana mawanabiso, kolo alingi biso, nzambe alingi biso, poyende mokeli na biso. Mais quand il arrive au point de l'idolâtrie, ça appelle la colère de Dieu. Et ben rakanda na nzambe. Penzambe l'air a sanctionné. L'air a yaka kopé sa punition.
l'air alingakako opinir peuple naïe. Punition wana o nzamba pesaka pona idolatrie pona bato bake kugumba mela banzambe misusu ezalaka ya makasi koleka. Esengeli to eba ete nkolo na biso nkanda na ye komaka makasi l'air biso tokendaka kugumba mela bato misusu au lieu à Kugumba Melaï. Donc quand nous nous approchons d'autres dieux, quand nous nous approchons d'autres dieux, quand nous nous approchons des idoles, nous appelons le châtiment le plus sévère de l'Éternel dans notre vie. Et c'est là où nous allons encore, nous suscitons la colère de l'Éternel. Dieu ne supporte pas les idolâtres. Dieu n'aime même pas que nous puissions partager sa gloire avec une autre personne. Que ce soit ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, n'importe qui. Dieu ne permet pas. C'est pourquoi quand Dieu châtie l'idolâtrie, le châtiment est plus sévère jusqu'à l'extrême des rétorsions. Oui, dans le premier commandement, et même dans sa répartition, nous allons voir que c'est essentiel pour la vie et la foi des chrétiens. Dans le premier temps de l'histoire de la nation, ce commandement s'applique à tous les aspects de la vie des enfants de Dieu et de son fonctionnement. Kobanda uta e bandele ya mokili. Kololera bandina no kopé satan mibé ko zomi o ya pesa ki bana na ye. À partir du 10 commandement, le premier commandement que Dieu donne à son peuple, Dieu interdit à son peuple l'idolâtrie. Dieu interdit à son peuple de partager sa gloire avec d'autres dieux. Pour montrer qu'il est un Dieu jaloux, celui qui nous chérit et il est jaloux de nous. Alingi biso mingi pe azali na zuwa mingi na biso. Alingi te atamo kete to kende sima banzambe mosusu. Toto kabola kembo na ye na banzambe mosusu. Yakwana wuta e bandele ya mokili. Tango nzamba keli mukili, akeli bana na ye. Tango nzamba wandiko tambola na peple na ye, mobeko, mibeko zomi apesaki na Moïse, mobeko ya liambo. Ezalaki ya kopekisa. Bana na ye, bakabola nkembo na ye na bato mosusu. Alléluia. Oui. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans le livre des Deutéronomes. Nous allons lire notre verset du jour. Deutéronome chapitre 6. Donc nous comprenons que c'est dès la création, dès le premier temps, quand Dieu a pris en charge son peuple pour marcher avec son peuple, il a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme, Dieu donne les commandements. Il commence par le premier commandement qui interdit l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Oui, bien-aimé, même yo penanga ilelo, kolobate na yoka, to yebi ango, non, mais prêtons attention à ces messages et essayons de quitter l'idolâtrie, essayons d'abandonner l'idolâtrie, parce que tout au long de cet enseignement, nous verrons que chaque jour dans notre vie, nous nous posternons devant d'autres dieux. Nous donnons la place de Dieu aux choses, aux hommes, sans les savoir. Et Dieu n'est pas content avec ces comportements. Mbale belé, okolobosa la kangote, mais mbale belé, tozwa esika nzambe topesa yango bato.
tozwa esika ya nzambe totia biloko mais toyebaka te nzoka kolo asepelaka na biso te mpe nkanda na ye eza kofrape biso yango wana esengeli tofungola matoi nzambe asunga biso molimo santo esunga biso to retenir message oyo mpe eaide biso tobima na biloko wana amen. Et nous allons dans notre verset, dans notre chapitre, Deutéronome. Nous allons à Deutéronome chapitre 6. Nous allons lire les versets 4 et les versets 5. Deutéronome chapitre 6, verset 4 et le verset 5. Si nous sommes là, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute Israël, comme moi aussi je vous dis aujourd'hui, écoute mon bien-aimé, écoute ma sœur, écoute Anaclée, écoute John, écoute Rebecca, écoute, tu mets ton nom. Donc Dieu te parle ce soir. Ce message est adressé à toi mon frère, à toi ma sœur qui me suis, toi qui as pris le temps de t'asseoir pour suivre ce message. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ici, Moïse commence d'abord à dire à Israël, au peuple de Dieu, de comprendre que l'Éternel notre Dieu, il est le seul éternel. Azaka gaye moko, bazami balete. Yoka fumola matoi pe yoka ndekonanga mwasi ndekonanga mobali kolo nzambe oyo akela yo kolo nzambe oyo alokota yo bisika lokota yo amema yo tibisikoza kolo nzambe wazoko peso pema na bomoi olali obosani bamsuku tubalota kate olali obosani oyebi kuta place yate msusu palali oloti okomi mukonzi mususu olali oloti osuko zawa obosani na makati lero la muki pe mba msuna ndotongo kangite mais le Dieu là qui te protège de fond te bazoko lando bambangu bazoko bundisa nzamba peso elonga nzamba wana oya protège kayo nzamba lokota obisika ya mabe ayana obisika malamu nzamba andima ke yonyo kwa mate otikala na pasi ya Egypte te nzamba andima te ke otikala na ba maladi nzambe oyo akonfonda ba maloba o ba minganga ba loba le Dieu là qui te protège qui là où on dit que tu vas échouer il te donne la victoire là où on dit que tu vas tomber il te relève. Là où on dit que tu vas échouer, tu vas reculer, il te fait avancer. Là où on dit que tu seras malade, il te donne la guérison. Le Dieu là est le seul éternel. Azali kaka yé moko, bami balete. Tofu mola mato ito yo kamalam. Ezali mama na yo te, ezali papa na yo te, ezali pasteur na yo te, ezali ancien église na bino te, ezali diacre église na bino te, ezali bana na te, ezali noko na te, ezali yaya na yo te. Ah, we bingande na koma bwinga ezaka yaya, soki yete nga vie ezate. Ngande na zabu ezaka ka mobali na nga soki ya, ah, mwasi na nga soki yete vite. Ezali yete, ezali nzambe. Le Dieu là, il est le seul éternel. Amen. Faisons continuer. Au verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Ah. Ici, la parole de Dieu est clair. Le lobanantam beza peto. Eza pe solo. Eza pe simple. Le lobanantam be lobi na bisouete. Kolontam benano. A lobi na Israël. Yo mwana nantam. Ici, Israël, il ne faut pas regarder seulement Israël, le pays, ou Israël, le peuple de Dieu qui sortait de. Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Biso batutuzala ki. Négligé, biso ba tutoza ki abandonné, biso ba tutoza la ki ba bosana ki biso, men kolo e ko récupérer biso.
Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Et la parole de Dieu continue pour nous dire que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien-aimé, namute manayo mobimba. On parle de tout ton cœur, tout sans exception. On n'a pas dit que tu vas aimer Dieu quand tu es malade, ou quand tu es dans la misère, ou quand tu es dans les problèmes, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu t'accroches à Dieu, tu aimes Dieu, tu acceptes tout, tu mets tout en pratique, et les jours où tout marche bien, tu oublies Dieu. Non. Amen, peuple de Dieu. Okolinga nzambe na motema na yo mobimba. Balobi na motema na yo nambote. Olinga nzambe lè goza na église. Olinga nzambe lè makamboza mabe. Lè passe zali. Lè malade zali. Lè mikakatane zali. Wana na minute wana, okotosa nyonso kolinga nzambe, okolakisa penza ke yo vraiment okomi de pembeni ya sultan ya Yesu. Mais soki ka makambo ebongi pa, ou bien se passe ete obosani, ou bien se komi midye moko boy, obosani même koza. Ti, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Mutema na omobimba. Eza la teke, olingye ndambo, ndambo soye kote mousoso. Tu dois donner tout ton cœur à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Oui, tu kokota ngona détail na mozindo malam malam. Donc la Bible nous demande, si le tout là c'est sans exception. Le tout qu'on a utilisé ici dans ce verset, c'est sans exception. On n'a pas dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, à l'exception de... Non, tu dois l'aimer de tout ton cœur, à 100%, comme le monde peut le dire. On continue, on dit, de toute ton âme, âme nayo, ton âme doit glorifier Dieu, ton âme doit aimer l'Éternel, de toute ton âme. Comme les Anglais le disent, soul with your soul. Amna yo mobimba. Il faut émiper ses pas ensemble. Olinga ensemble. Et de toute ta force. Oui. Pena makasi na yo nyoso. Bien aimé, oui, ça là qui commandement ya liboso. O nzamba pesi na peuple na ye. Que tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ta force ici, force na yo ezanini, ezalika makasi physique te. Quand tu as déjà aimé Dieu, tu as déjà donné ton cœur, tu as donné la place à l'Éternel. Lui seul occupe la première place dans ta vie. Ton âme à chaque instant, ton âme respire, aspire ce qui est bon, ce qui craint Dieu. Tu marches dans la vérité. Tu es accroché à Dieu. Moli monayo, ezalika kobanga nkolo. Oza ko tambola bitambola tambola te. Oza ko tchatcha bimakolo partout te. Nanzela na yo tchenzambe liboso. Après, quand Dieu maintenant permet par sa grâce, il te donne ce que tu y as. C'est ce qui constitue ta force. Ta force physique d'abord, la bonne santé que Dieu t'a donnée. Tu es en bonne santé, tu ne veux pas prier. Tu es en bonne santé, tu ne veux pas glorifier Dieu. Tu es en bonne santé, tu ne veux pas adorer Dieu. Tu es en bonne santé, tu ne veux pas élever Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, même si vous ne voulez plus l'élever et l'adorer, même les pierres s'élèveront pour l'acclamer. Ah oui. Amen, peuple de Dieu. La force physique que Dieu t'a donnée,
C'est pour glorifier l'Éternel. Et tu dois aimer Dieu avec cette force. Tu dois aimer Dieu avec cette force. La force physique que Dieu t'a donnée. Et en dehors de cette force physique, même le spirituel, après le bien que Dieu t'a donné, c'est ça ta force. On zamba pesio nyo sonde makasi na yo. Biloko on zamba pesio folinga nzambe na biloko wana. Bana on zamba pesio folinga nzambe na bana wana. Mosala on zamba pesio folinga nzambe na mosala wana. L'argent que Dieu te donne, tu dois aimer Dieu et servir Dieu avec cet argent. Oui, je ne vous dis pas que zombo na onyo sokenda opesa na ba église que nous sala. Non, je sais pas ce que je dis. Mais que l'argent ne prenne pas la place de Dieu. Parce que donner l'argent à l'église, il faut aussi savoir là où tu sèmes. Parce que beaucoup ont semé là où il ne fallait pas semer. Vous jetez l'argent dans le fleuve, vous ne savez pas. Ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus-Christ, Jésus-Christ viennent de Dieu. Non. Baonios, Bazobé, les laïes, souillés, souillés, et baonde, baoutier, pas un colo. Mingi. Batiambo na bango batiamba kasi na bango bisika o nzamba zate yango mona sécheresse ce côté là on a bomoi amen hein voilà ba sujet musutu ko développer ka mko musus mais maintenant nous parlons d'abord de servir Dieu avec vos biens avec votre force servir Dieu aimer Dieu avec ton cœur tout ton cœur on dit tout je ne change pas je voulais dire aimer Dieu avec ton cœur non. La Bible ne dit pas aimer Dieu avec ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je vais expliquer maintenant toute ta force là. L'argent que Dieu te donne, le travail que Dieu te donne, la voix que Dieu te donne pour chanter, l'intelligence que Dieu te donne. Oui. Mais au moins, je sais déjà depuis quand j'étais encore aux études, Dieu m'a donné au moins, m'a fait grâce demain à expliquer, à enseigner. C'est une qualité aussi. C'est un don que je dois utiliser aussi pour glorifier Dieu. Je ne fais pas seulement me réjouir d'enseigner la science de ce monde. Mais je dois aussi demander l'aide du Saint-Esprit, la connaissance divine, pour aussi enseigner la parole de Dieu. Donc, on n'y a pas de pésio, et pésame liyo, lingan zambé na yango. Kozo yango te, ou komi, ou bosani nzambé, ou komo sabi lomu susu, ou bien, ou tchè nzambé pemite. Nzambazo zelake, motema na omo bimba, bo moto na o nyoso, pena makasi na o nyoso, o lingaye na ngo nyoso mo bimba. Amen. Comme je le disais, dès le premier temps de l'histoire de la nation, il s'applique à tous les aspects de la vie des enfants de Dieu et de son fonctionnement, ses commandements, qui demande que le peuple de Dieu doit d'abord mettre Dieu en première position. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient nous donner aujourd'hui. Non. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je l'ai toujours dit, si Dieu nous fait grâce, nous donne longue vie et nous avons le temps toujours de partager, nous verrons beaucoup de vérités que beaucoup des églises ne nous disent pas. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des églises vous parleront de bénédiction. Tu seras béni, tu auras les mariages, tu auras des enfants. Mais la personne que tu promets des mariages, des enfants, des bénédictions, est-ce que tu contrôles d'abord, tu connais d'abord sa vie? Bien, mais si ta vie d'abord n'est pas mise en ordre, Dieu ne te bénira pas. Bako sabinoté. Même Dieu, quand il bénissait son peuple, Dieu n'a pas béni Israël parce que c'était seulement son peuple. Mais Dieu leur a demandé de marcher dans sa crainte. Dieu leur a demandé de marcher d'abord dans sa crainte.
Soko zo tambo na kobanga nzambe te, ozo tosa mibeko nzambe te, ozo salo nzamba zo sengate, bien aimé, okoko tika la bako benga yo, fanda kaka ana bakuki, pambo li kukuta yo, e kukuta yo soko zo banga nzambe. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne mets pas Dieu en première position, si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, si tu ne sers pas Dieu dans la vérité, sache-le, tu peux craindre le pasteur, tu peux transporter son sac, aller balayer chez lui, préparer, faire tout ce que tu fais. Mais les pambolu et Zaki réservés n'ont pas besoin qu'à côté. Les pambolu et Zaki pas Abraham, Isaac et Jacob, tu peux bénéficier d'un mot. Parce que il y a une seule condition. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons garder la parole. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous demande de donner d'abord, d'aimer Dieu de tous nos cœurs, d'aimer Dieu de toute notre âme, d'aimer Dieu de toute notre force. Parce que celui qui aime Dieu de tout son cœur, celui qui aime Dieu de toute son âme, celui qui aime Dieu de toute sa force, cette personne-là, il va marcher dans la crainte de Dieu. Cette personne-là ne marchera pas dans les ténèbres. Il sera toujours dans la lumière. Même ce qui sort de sa bouche manifestera réellement que c'est une personne qui craint Dieu. C'est un enfant de Dieu. Et chaque instant, sa bouche glorifiera, rendant toujours des actions de grâce et des louanges à l'Éternel. Moutoua, ça ko banga nzambe, bomo inaye ko zale ko monisama. Et ko monisama ka azali moutoua ko banga nzambe. Et vous allez te poser au kendo là la na lingomba mikolonyoso au sala rabote na pekisi ko sala anate. Mais Nzambe akopambola biso te poto zala katongo midi pokwa na kwa nzambe. Poto zala katongo midi pokwa tozo landa ba enseignement. Poto zala katongo midi pokwa tozo sambela. Tu pries bien, oui c'est bien. Ozala kati ya jeune, nanu kuto si isi ango te, mais dereza era prière te talabo mo ina yo. Nous devons changer. C'est pourquoi de fois, ma bonne na biso biya mezo ou me la koya. Parce que to tie bilo ko mousou soubisika ensemble. Tu es même dans la prière, mais tes pensées sont ailleurs. Tu es dans la prière. Vous êtes dans la retraite ou dans des jeunes de prière d'une semaine, 7 jours ou quoi que ce soit. Tu penses à autre chose. Tu penses à ton argent. Tu penses à ton travail. Tu penses au voyage, à ton business. Tu penses à ton mari, à ta femme. Le moment de te concentrer, de communiquer avec Dieu. Donc ça montre que tu ne donnes pas à Dieu cette place qu'il mérite. Tu pars même à l'église. Le temps d'adorer, de louer, de glorifier. Toi, tu es là, ton téléphone toujours en train de chatter, en train de... Non, c'est ça. Tu es à l'église, mais tu... c'est pourquoi même certains des hommes de Dieu nous ont toujours conseillé de ne pas avoir l'habitude de lire la Bible dans des portables ou bien dans des tablettes. Parce que tu es là. Si le message vient dans le Facebook, tu oublies d'abord. Ok, dans Facebook, on va dire au chat, non? Ou bien WhatsApp, ou TikTok. Non, mais à ce moment-là, tu sers qui? Tu sers Dieu ou bien tu sers le monde? Parce que pourquoi le message-là est venu seulement quand on te prêche la parole de Dieu ou quand tu veux adorer? C'est pour te distraire, pour que tu puisses, pour que ça puisse t'écarter de la voie de l'Éternel. Et qui le fait, c'est le diable. C'est le diable qui ne veut pas que nous puissions glorifier Dieu, nous puissions adorer Dieu, nous puissions louer Dieu, nous puissions élever Dieu librement. C'est pourquoi chaque fois, il vient toujours avec des dérangements, avec des empêchements. Avec... Et toi, quand tu ouvres la porte, prends ta Bible, achète la Bible. Prends le téléphone, mets ça en silence, ou bien switch it off, ou bien mets ça, éteins ça. Éteins ton téléphone, ou bien tu mets ça en silence. Le moment de prière, tu pries, tu te concentres, tu glorifies ton Dieu.
Quand tu vas finir, je l'avais même dit l'autre fois, beaucoup de enfants de Dieu, il y a même des moments, nous nous réveillons le matin, avant même de rendre grâce à Dieu, tu pars directement sur ton téléphone, tu es dans les WhatsApp, dans la Tindelenga message, ok, dans YouTube, Babouakinini de l'eau, Balobinini, Balobinini, tout ça, tu cherches ça pourquoi? Ils ont fait ça en gloire, ni. Ils ont enseigné au nid. Parce qu'un enfant de Dieu, tout ce que tu dois suivre, lire, ou bien t'intéresser, tout ce qui doit t'intéresser, ça doit quand même apporter quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que ça apporte? Le polémique qui abat ton moukil. Ils ont même là, on n'y n'a vu là. Ah, et c'est quoi? On va dire, oui, ok, bah, pour qui n'est-ce pas? Ok, le loi, bah, tiens, ok, à son cosa, ok, boya. Mais maintenant, tout ça, même si tout ce qu'ils ont dit, ou bien ce que l'autre a déclaré, ce sont des mensonges. Comme toi, tu deviens Dieu. Tu peux lire dans le cœur des gens. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quelle leçon que ça te donne? Parce que je peux encore, on peut encore comprendre. Tu suis cela. Quand tu trouves que non, l'autre, ce qu'il a dit, c'est le mensonge, l'autre a dit la vérité. Mais ça doit quand même te donner aussi une position à prendre. Ça doit te servir d'enseignement. Comme la Bible le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais qu'est-ce que ça t'enseigne? Ça ne te donne pas d'enseignement. Mais par contre, ça t'aide. Il y a au côté de la vie à Songi, la vie à Koloba, la vie à Koussalaba déclaration, le Kouta, oh yo yebi, moutou nangote, yebi solution, suisse de nangote. Bien-aimé, l'Église primitive, de même, traite avec le plus grand sérieux le culte des idoles. Même l'Église primitive. Avant même d'arriver à l'Église primitive, Tala et le concolo à Sali. Avant même à recommander une église primitive, regarde ce que Dieu dit à son peuple. Dieu promet à son peuple la terre promise. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, le pays là où je vais vous amener, c'est un pays où coulera du lait et du miel. Mais quand vous allez y arriver, dans tout le lieu où ils servaient leur Dieu. Mais ce qui Bisika nyoso oyo batu wana bazalaki kosambela banzambe na bango. Po buka pe botumba biloko wana. Dieu n'a pas demandé aux enfants d'Israël arriver, aller prier, purifier par le sang des agneaux, le sang des brebis, asperger le sang partout et prier, ça sera sanctifié. Non, Dieu a demandé qu'ils puissent se détruire. Et il va plus loin. Nous le verrons dans cet enseignement. Dieu demande même que l'or et l'argent qu'ils avaient utilisés pour bâtir ces lieux, vous ne les utiliserez jamais. Mais aujourd'hui, toujours limité, Nzambe. D'ici quand toujours que Nzambe la route au contrôle, oui, le bagage tous d'ici. Mais notre Dieu. Pourquoi nous limitons Dieu? Laissons Dieu faire. Choisissons de bons lieux. Avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, avec un cœur plein de soucis et d'enthousiasme. Ne faisons pas l'œuvre de l'Éternel où le travail de Dieu est dans la précipitation. Ou ne le faisons pas seulement par, je peux dire par, tout ça là quand on karaté par plaisir ou bien tout ça là quand pour battre mon acte tout ça là. Non, mais tout ça là nous allons ensemble négé singeli. Tout banga penzambe négas osé la biso tout bangaï. Tout ça y est négas osé la biso tout ça y est.
C'est comme ça que la main de Dieu sera sur nous. Et c'est comme ça que nous allons bénéficier de bénédictions de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons nous limiter là aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je sais que ça ne va pas nous prendre beaucoup de semaines. Peut-être nous allons voir ça dans 4 semaines. Donc 4 samedis. Et puis, nous entamerons l'autre chapitre. Mais si nous amenons ce message, soyez toujours mes mamans, les Zambouyou, et Zali Ponali Sekite. La parole de Dieu ne vient jamais au hasard. C'est un besoin pour quelqu'un. Il faut saisir l'opportunité. Parce qu'il y aura des moments où on n'aura plus l'occasion de prêcher ou d'écouter la parole de Dieu. Mais quand Dieu nous donne, nous fait grâce d'avoir le temps d'écouter la parole, d'écouter quelqu'un nous enseigner ou nous apporter un message, ne prenons pas ça à la légère. Que mon Dieu vous bénisse. Et si, par la grâce de Dieu, d'ici le mois de juin, nous allons aussi commencer à passer live chaque notre culte des dimanches, comme nous prions en famille à la maison, notre culte dominical. Nous allons aussi commencer à mettre ça live. Et ceux qui seront aussi touchés ou ceux qui seront convaincus par le Saint-Esprit de se joindre à nous en ligne, qu'on prie ensemble, ça sera une bonne chose. Parce que nous le faisons seulement pour la gloire de Dieu. C'est comme nous, la Bible le dit, l'heure vient et il est déjà venu. Où le vrai adorateur adorera le Père en vérité et en esprit. Nous voulons prier notre Dieu en vérité et en esprit. Nous ne voulons pas prier notre Dieu en esprit et non dans la... Non, nous voulons le faire en esprit et en vérité. Donc, chaque dimanche, ça fait déjà presque 2 ans, nous communions à la maison ici, chaque dimanche, de 13h à 14h. Et ceux qui n'ont pas où aller prier, ils peuvent aussi commencer à se joindre à nous en ligne pendant ces heures à partir du mois de juin et nous allons prier ensemble. Et aussi chaque mercredi nous avons notre prière d'intercession de 19h à 20h. Donc c'est là où nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos projets, pour nos amis, pour nos frères et sœurs, pour des malades. Donc si vous avez aussi un sujet de prière, vous vous joignez à nous et puis nous allons nous associer ensemble avec foi parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Si il nous a répondu hier, il le fera encore demain. Il n'a pas changé, il n'a pas d'ombre de variation. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là et par sa grâce et son amour, le samedi prochain, nous allons continuer avec notre thème sur l'idolâtrie. On va entrer en profondeur petit à petit et je crois que nous serons abondamment bénis. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons te dire merci, le Dieu créateur des cieux et de la terre, pour ton amour et ta bonté. Merci, Papa, pour ce moment encore fantastique que nous avions passé ensemble avec toi. Nous venons recommander encore notre vie entre tes mains bénies. Lorsque toi seul, tu continues à veiller sur la vie de tout un chacun. Continue, mon Dieu, à accomplir tes promesses dans notre vie. Laisse que ce que toi tu as arrêté pour nous puisse s'accomplir. Je viens m'élever contre tout ce qui ne vient pas de toi. Toute parole déclarée par les gens de ce monde, toute parole déclarée dans le monde de ténèbres contre la vie de tes enfants, je le déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je cache notre vie dans le sang de Jésus-Christ. Nous t'élevons seul comme Seigneur et Sauveur. Règne et manifeste-toi dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Par son amour et sa grâce, nous nous reverrons la semaine prochaine. Bye for now. Bye bye. Angoluna yoe, malope zangateo. Na pesinde na mote melobae. Oyo nyose bombeli otile no yo.
Mosu yakiti yangolo na yowe.